Salut à tous. Alors aujourd'hui, je tenais à te présenter un maillot qui est juste là derrière moi. Et il s'agit évidemment du maillot pédaleur. Alors pédaleur à la base, ce sont des cyclistes qui font une box spécialisée avec des produits cyclistes, mais il y a aussi des produits dérivés et on est bien chanceux parce que ce maillot en fait partie. C'est un maillot qui recouvre beaucoup d'atouts au-delà d'être floqué pédaleur. Alors jingle et on décortique ça juste après. Alors, quelques effets spéciaux plus tard, voici le maillot juste devant moi. Il y a de gros moyens sur la chaîne, c'est magnifique. Je te propose de voir les différents éléments de ce maillot, à commencer par son aspect général. Donc, petite revue rapide. Donc, à l'avant, donc là on a bien les couleurs pédaleur, du noir avec ce vert d'eau, très spécifique à pédaleur. C'est vraiment très joli. Voilà, on a aussi ce rappel de la couleur sur les poches arrière, on y reviendra. On a donc d'aspect un maillot très ajusté, donc ce qui est plutôt sympa pour l'aérodynamisme et le confort. Donc un maillot zippé intégralement. Au niveau de la taille, des bandes silicone qu'on voit ici et qui sont antidérapants et qui permettent vraiment de venir fixer le maillot et d'éviter que celui-ci bouge quand tu le portes sur une sortie, donc ce qui est plutôt agréable. On a également la même chose sur l'extrémité des manches, donc ça aussi c'est très confortable. Une fois que tu poses ton maillot sur le bras, en général celui-ci ne bouge plus, et ça tout le long de la sortie, et c'est vraiment très agréable. Sur l'arrière du maillot, on a assez classiquement trois poches, donc tu les vois juste ici, avec une poche zippée là sur le côté qui te permet de ranger les objets les plus précieux, clés, téléphone ou autre. Bande réfléchissante également sur cette poche zippée, ainsi que sur toute la longueur des trois poches. Également sur la partie dorsale, alors on ne le voit pas forcément à la caméra, mais on a une matière qui évacue très très bien la transpiration et qui aussi protège très bien des UV selon Pédaleur. Donc pour les sorties les plus chaudes de l'été, notamment quand on a un maillot noir comme celui-ci qui attire le soleil, donc c'est aussi plutôt un élément intéressant et une attention particulière portée par Pédaleur. Et Gasp Cycling, donc aujourd'hui chef de file, qui est donc la marque avec laquelle s'est associé Pédaleur pour la confection de ce maillot. Je vais aller le passer, je vais le porter pour que tu te fasses une idée plus précise de l'ajustement du maillot. Pour information, moi je mesure 1m70 et c'est un maillot donc taille S. Allez, je passe ça et je reviens de suite. Donc voilà, de retour avec ce beau maillot. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment très fité, très près du corps. C'est un maillot qui ne bouge pas, même à allure soutenue sur un vélo. Les bras sont très très bien cintrés sans être oppressés par l'élastique. Donc vraiment, ça ne bouge pas, c'est très confortable. De même pour le col qui est très ajusté mais sans oppresser le cou. Le tissu est très doux sur la peau, donc ce qui évite aussi les irritations sur les sorties les plus longues dues à la transpiration. Donc on sent que c'est vraiment un tissu vraiment de qualité qui est très très agréable à porter. Donc je vais me lever pour que tu vois aussi le bas du maillot. Donc on voit aussi qu'à l'arrière c'est très ajusté avec donc les trois poches qui sont relativement grandes et donc cette petite poche latérale. Le petit bémol que je trouve sur ces poches zippées, c'est que quand justement la fermeture éclair est comme sur ce maillot placée à la verticale, et bien finalement, moi je trouve qu'il y a toujours plus de mal à la refermer d'une seule main. Donc tu peux y arriver, mais de temps en temps, tu as la fermeture éclair qui se bloque un peu. Donc bon, quand tu es sur le vélo, moi je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir la fermeture éclair placée horizontalement. Le maillot étant étiré sur ce plan-là, c'est toujours beaucoup plus simple d'ouvrir et de fermer d'une main la poche. Bah, sur ce, je vais conclure la vidéo. Donc j'espère que la présentation de ce maillot t'aura donné une idée plus précise de ce que peut faire Pédaleur au-delà des box cyclistes proposées. Il y a aussi d'autres produits sur le site Pédaleur, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Et comme à mon habitude, je te laisse en commentaire de la vidéo le lien de leur site. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les beaux jours commencent à revenir, ça fait vraiment du bien.
Profite bien sur ton vélo. À bientôt.